Go Plus, l'agence de grandes opportunités. Merci de votre fidélité sur Ago Plus Télévision. Tokutani pour le numéro Yassika, décryptage à mon collègue le lundi 30 septembre 2024. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets d'actualité. Information El Bosso, c'est une nouvelle triste qui vient de nous parvenir ce matin. C'est le décès de Jean-Pierre Kambila, Azalaki, directeur et cabinet, il y a adjoint. Il y a Mokonzi Akala, ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Tokoyeb Sebino, la circonstance, il y a Liwanaye. Et puis, nous allons parler du dossier sur la révision de la constitution de Katiambo Kanabiso. Les partis au pouvoir, l'IDPS, à soutenir na katia matinée politique ya mokola lelo basala ka matinée politique chaque lundi lelo Augustin Kabuya a lobeli pe yango a confirmé à soutenir yango to le blanc pe na katia décryptage ya mokola lelo. Et puis nous allons parler de l'invitation qui a été adressée au journaliste notre confrère Israël Mutombo, le patron de la chaîne de télévision Bosolo Télévision, par les parquets près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous allons aussi parler du dossier du transfert de cette Kikuni à la prison centrale de Makala. Et puis Tokolobela, célébration et journée internationale, il y a accès à l'information. Et le cas qui m'a dit samedi, le Colisa actualité, Tokolobela, Oyo Izalaki, Malobaya, ministre de la Justice, Constant Mutamba, concernant la célébration de cette journée. Et puis, tout le monde a une information et sa actualité. Il y a mon collègue, grève, il y a un motocycliste, il y a un autre, il y a grève dans la ville province de Kinshasa. Il a dénoncé, décryptage. Et puis, nous allons aussi vous donner l'information sur le départ de Léon Lembanemba. Vous voyez bien, il y a Papa Molière, aoti ko sala vidéo abimi na katia mboka na biso eza exil politique tozo mituna nano, mais c'est parce que après ayemba kinze momoko bino moko boyebi etambula kina ba réseaux sociaux, mais tango abimi na katia avion na ko bise bino maloba oyo Papa Molière alobi tozo pese mbote sikaza na mama oyo. Et puis tokolobela dossier na biso mokolo na mokolo eza insalubrité bosoto na katia ville province ya Kinshasa. Merci pour la fidélité na bino na Ago Plus, c'est une chaîne d'information générale, un magazine d'information générale. Nous sommes là dans cette émission décryptage. Merci pour la fidélité na bino na Ago Plus, c'est une chaîne d'information générale, un magazine d'information générale. Nous sommes là dans cette émission décryptage. Décryptage de la camine qui va actualité et tous réfléchir, tous passer bien nos informations détaillées avec les développements, avec les détails possibles. Mais tous les journalistes, nous respectons Batonyoso, Tofinga Kamoto Awate, tous le belagiste basique d'actualité. Tofinga Kamoto T, tous critiquer Kamoto T. Et nous parlons, nous dénonçons la mauvaise gestion. Et le gobiso te dénonce, ça quand ça décryptage à moi. Tofingaka personnalité ya mutote et puis to attaque ka mutote. Nous parlons plus de la gestion ndenge tozo le bela gestion en ville province ya Kinshasa, tozo le bela Daniel Bumbate, mais tozo tala façon ville province ya Kinshasa et comme lelo de tozo le bela makambozo le kanaka ya société na biso lelo tozo pese bino information pour to banda décryptage. Merci mingi pour la fidélité na bino tozo banda mbala moko pona ko bise bino ke information moko yamawa e uti ko bima na tongo lelo eza likambo likaki banda mokola lobi mokola lomingo na tongo ba informer biso lokola caméra ya décryptage ezalaka mwana lokola pe micro na ba numéro to pesaka bato bazo benga biso ba pesi biso information. Et puis biso pe to kitaki na terrain to confirmer yango pe to meki ko sala ba recherche to confirmer ke za solo Jean-Pierre Kambila wasala ki directeur ya cabinet ya ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé bakuta ki lobi mokolo ya lobi dimanche na kati ya chambre ya hotel moko na kati ya commune ya Kasavubu a otiko tika biso me basi constance ya lewana ye de bazana kati ya kosala enquête pour toyeba nini yango le kaki kuna
Mais l'information qui est confirmée est que Jean-Pierre Kambila n'est plus, il est décédé. Bakutaki et Bembenaï nakatia chambre et hôtel Moko nakatia commune yaka Savubu. Mais il est connu, que Jean-Pierre Kambila c'était un homme politique très intelligent nakatia Mboka Nabiso. Il était membre fondateur du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement de Mokuse PPRD. Il était conseiller politique et juridique en 2002. Donc, il était conseiller juridique et chef de l'État, il y a Kala, Joseph Kabila Kabange, à partir de 2002. Et puis, à partir de 2015, il était directeur du cabinet adjoint. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il était chargé des questions politiques et juridiques dans le cabinet de mon conseiller Yakala. Jean-Pierre Kambila a sali Moussala Naina Katiamboka Rabiso, a publié qui peut ma livre belé parce qu'il était aussi un auteur, il a publié beaucoup de livres. Et puis il a fait un travail remarquable dans la classe politique Nabiso. Tozo, l'obélabiso, Tozo et Bissébinoka qui est. Jean-Pierre Kambila, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi ce pays. Tozo, c'est là qui va enquêter ça, les matoïba. Qu'est-ce qui s'est passé na Liwanaye? Nous allons revenir sur cette nouvelle avec plus ample détail dans les prochains numéros. Il y a décryptage. Mais pour nous, ce qui s'est passé, l'ancien, le professeur Jean-Pierre Kambila, Azate, Atikibiso, Bakutaki, à Koufi, na Kata Chambre et Hôtel, na commune, il y a Kasavubu. Décryptage, tout ça le Belasco, sujet de Bosso, autre Zanakolo, actualité de Bosso et Zanini. Actualité, mon aîné, autre la Mokinango, Namiko, Nam, Nokanabiso, Natongalelo, et sa révision, ya constitution. Tout le Belaki, on a décryptage, ya Mokolo, les Kaki. Est-ce que tout on a kipé, est-ce que Eza urgent, Eza important, ya Kolobela, révision, ya constitution, na. Période, surtout dans le moment où nous avons traversé, on s'était posé de multiples questions parce que dans le cadre de décryptage, nous réfléchissons ensemble avec nos téléspectateurs, avec tout le monde. Mais avant, nous avons compté la profondeur du sujet. Dans l'article 219, il y a la constitution dans le cannabis. Pour nous, nous avons tous une idée concernant le cannabis. Nous avons tous une idée. Et parlement ici, nous sommes des journalistes, nous maîtrisons bien notre métier, nous connaissons aussi les déontologies des journalistes dans notre pays et nous devons faire cette émission avec le professionnalisme. Parce que responsable de l'Abisso, ici, nous vous apportons des informations qui sont précises, confirmées et claires, avec des détails, parce que c'est décryptage. Nous sommes en train de faire, nous réfléchissons ensemble avec vous. L'article 219 de la Constitution Nabiso, c'est là qui est révisé le 2 février, c'est là qui est publié donc le 18 février 2006. C'était à partir après référendum au Salemaki le 18 et le 19 décembre 2005. Bah, il a publié en gros le 18 février 2006. Namokonzi Mboka Kala Joseph Kabila. Article Oezo le Belanini. Je lis en français pour la meilleure audition. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la présidence de la République ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. C'est ça l'article 219 de la Constitution qui promulgué le 18 février 2006. Tout ça, l'article là. Aucune révision, nous parlons de la révision constitutionnelle, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Pour le moment, nous sommes pendant l'état de guerre. Nous avons la guerre d'agression, nous sommes agressés. Pour le moment, il y a plus de 4 territoires aux Anamaboko et Barébel. Donc, dans la province du Nord Kivu,
tout le monde qui est 4-4 province, ils n'ont pas beaucoup à rebeller. Est-ce que c'est le moment de faire la révision constitutionnelle? Bon, répondre à Bissot. Dans autant d'articles, aucune révision ne peut être, ne peut intervenir pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence ou pendant l'état de siège. La deuxième réponse, nous sommes pendant l'état de siège, parce qu'il y a plus de 3 provinces dans notre pays où ils ont un état de siège. La province du Nord Kivu, la province de l'Ituri et la province du Sud Kivu. La province Nana, ils ont 4 états de siège. Les provinces sont militarisées. Pour nous éclaircir, province on est dirigée par les militaires et les policiers. Est-ce que c'est le moment de faire la révision de la constitution? Vous avez la réponse. Article les autres continuent sur le Banini. Ni pendant l'intérim à la présidence de la République, là intérim est assimé parce que c'est le chef de l'État qui a été élu pour le deuxième mandat. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo au réseau continue mandat naïe. Ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent empêchés de se réunir librement. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent librement. C'est ça l'article dans notre table, la Constitution. Le président a répondu à la question de Mbatona qui est. C'était dans une conférence de presse, il y a une question, est-ce que Joseph Kabila s'est représenté le SUS? Il dit non, mais vous avez la constitution. Lisez la constitution de notre pays. Bon, donc qu'est-ce que yo na profondeur y a sujet wana parce qu'ils ont le baba mingi na katambo kanabiso. Tout ce qu'on a bien ensemble, article 219 de la constitution. Boki et le bien que non, pendant la guerre. Bakoki Kosimba Constitution T. Pendant l'état de siège, Bakoki Kosimba Constitution T. Ce qui Assemblée nationale et Sénat bazo se réunir malam T. Ni Panaktawan. Ce qui président Asa azo sala interne. Donc, nous sommes bien moko boyoki. Je pense que vous avez déjà la réponse avant qu'il n'a pas ce bien détail. Mais aujourd'hui, la classe politique congolaise est divisée. La question est soutenue par le pouvoir, non? L'Union sacrée, ceux qui sont au pouvoir. Mais l'opposition est Zoboya. L'opposition, non, Bazo dit bien l'article, Bazo quand même l'article 219 tout tank. Ce qui est bien, un article, Moussou, beaucoup plus, ils ont permis à Bino, Bosa la révision de la constitution pendant ce moment ici, Bo publier en haut, Toyoka. Mais, idée où il y a révision en constitution et bandaki ndengenene. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo a salé qui interview na chaîne Mokoboye. Batouna qui est question wana, boye bika ba journaliste ni tout ça na songi songi. Le batouna question wana que non, est-ce que Kosimba constitution na biso? Félix Tshisekedi de Tshilombo a confirmé le bi, la constitution que nous avons mérite d'être retouchée. Et pour y koloba que non, il avait même soutenu qu'il avait même promis qu'il va mettre en place une commission interdisciplinaire. Donc, c'était comme ça, non? Cette commission devrait travailler sur la révision de la Constitution. Maintenant, tant qu'on promettait qui, tout ce qui est que non, le Félix Tshisekedi de Tshilombo, le chef de l'État, il avait dit qu'il va mettre en place une commission nationale multidisciplinaire. Disciplinaire, voilà, c'est ça le terme qui était utilisé. Qui sera appelé à réfléchir sur la manière de doter. Ça, ce sont les propos des chefs d'État Félix Tshisekedi. De doter les pays d'une nouvelle constitution. Ici, nous sommes dans les décryptages. Toujours le Médana, Mikanda n'a mis ça. Constitution, ça a. Il avait même annoncé qu'il va créer, mettre en place cette commission. Et maintenant, cette démarche est rejetée par l'opposition politique congolaise. Opposition Bazo Boya. Balebi Topoi, ne touchez pas à ma constitution, ce qu'on avait vu avec les régimes anciens, les régimes passés. Tomonaki, il a publié l'image, Kadena, il a gagné la constitution, Balebi Kosimbate. Mais dans la constitution, il y a aussi des articles qui sont verrouillés. Oh, Balebi, il y a un article qui est verrouillé. Par exemple, l'article Zolobela, le mandat du chef de l'État, parce que c'est l'article qui est visé. Toi qui Augustin Kabuya a touché le Kwanamingi. Toujours le côté déjà qu'on a.
Mais l'opposition, il faut accuser le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui il est en train de faire la manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est l'opposition. Maintenant, sur Tokéi, et pas à Augustin Kabuya. Augustin Kabuya a le baki, a zongé l'angou balabana et pile l'eau, a le mis constitution haute aux anangou l'eau. L'actuelle, la zombie l'angou, l'actuelle constitution, et zo bloqué Mboka pour avancer. C'est la raison que Augustin Kabuya donne. Il donne un exemple. Il dit regardez, élection Salemaki. Nous avons passé les élections. Nous avons voté les députés nationaux, provinciaux et les présidents de la République, les conseillers communaux et autres. Et maintenant, la question s'est posée pour formation et gouvernement. Des places que Augustin Kabuya Lobi, la constitution nous donne le retard. Il a donné l'exemple à Lobi. Vous avez pleuré ici. Prenez le gouvernement, formation et gouvernement, ça a 9 mois, ça a 1 année, ça a 6 mois, ça a 8. L'Augustin Kabuya nous a répondu, il a dit, c'est parce que la constitution et son mais une histoire révélée, bon nommé informateur, bon nommé Oyo, premier ministre, premier ministre, avant d'avoir consultation pour consulter ma ministre qui seront nommés. Dès lors que vous justifiez, vous avez une raison, il y a qu'à soutenir révision, il y a constitution. Augustin Kabuya l'a dit, pour lui, le président de la République ne travaille que pendant 3 ans. Mais si les papiers constituent sur le baquet, chef de l'État, ça a un mandat à 5 ans renouvelable, une seule fois. Mais ce que a Augustin Kabuya sur le baquet, mon conseil a été à 3 ans. Déjà, on est dans l'installation du gouvernement, mise en place par l'institution, l'Assemblée nationale, Sénat, l'Assemblée provinciale, le gouvernement, tout ça. Et qui est dans la ans, selon Augustin Kabuya. Donc, pour Naye, les 5 ans sont signés les papiers, mais en réalité, le chef de l'État, c'est là qu'il y a 3 ans. Ce qu'on peut proposer, c'est qu'il faut que le mandat et le cas, et le mois a 5 ans et qu'il y a 7 ans. Est-ce que c'est le moment? C'est ça la question que moi je me pose. C'est le moment que nous devons parler de la révision de la Constitution. Très chers frères, les citoyens et citoyennes, soyons clairs. Soyons un peu clairs. Est-ce que c'est la constitution qui nous empêche de réhabiliter les routes? Ben, c'est là où j'ai beaucoup fait. Mais quand la constitution Moko, le président Moko Azalakia, il a dirigé ses pays avec la même constitution, non, mes chers amis? Non, soyons un peu clairs. Est-ce que la constitution, des jours quand Gabi n'a pas réalisé ma promesse au Bosan le Kabiso? Vous nous avez promis ici, il y avait plusieurs projets pour les premiers mandats du chef d'État, les quinquennats. Il y avait la réalisation, beaucoup de projets, beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Le mandat du chef de l'État, dès l'entame de son premier mandat, à Kenaïna Maluku, il a lancé la zone spéciale économique de Maluku. Il a posé même la première pierre pour la construction des usines, des 10 grandes usines. Il y a fabrication, il y a boissons brassicoles, mais tout le monde a déjà Pepsi et Banaï déjà. En tout cas, félicitations, coup de chapeau côté Wana. On a vu beaucoup de projets. La construction de la centrale hydraulique solaire. Parce que c'est la zone spéciale économique. Et il y a aussi plusieurs projets où le gouvernement est à Nosaki. On a vu les projets Kinshasa Zéro Tour, les Kinshasa Kilbopeto, les projets Tilegelou, les projets de développement des 145 territoires. On a vu CCD dans le cadre des 100 jours. On a vu beaucoup de projets de construction, de lancement des travaux, la réhabilitation de l'école, construction de l'école, arène à Yangwaneza inachevé, détourner Bambongkuna, tout ça. Est-ce que constitution des eaux bloquées Batoubaya Kosa Moussala? Est-ce que constitution des eaux bloquées ma ministre va travailler? Donc pourquoi les peuples congolais ils ont abandonné les lots aux eaux Kamoutaux le bel Libumia congolais? Mon consultant Moko, toi yo kabale bel Libumia congolais, bah comment le bel mandat, bah le bel révision y a constitution, bah sur le bel makamuna bango mususu. Les lois bandabatia, état de siège dans l'Est, et tu as dit que 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 tu as dit que
Bah député à Est Basilica qui la plénière où t'as collé comme pour qui mettait des sièges. Bah le but bah non bah ça l'ango. Tout le monde tout ce qu'il faut monter et si quand t'as manqué bah quand y a ta groupe de rebelles mis bah les mis ça tout. Bah les rebelles bah si les terrains n'affront ce sont les rebelles qui ont tenu à gagner les terrains. Maintenant quel est l'objectif à l'état des sièges? Maintenant le pays est dans l'état de sièges. Le pays est pendant la période de la guerre. Et puis nous avons parlé sur la révision des constitutions. Bon, vous basez sur quel sous-bassement? Parce que tout le temps, il y a un article 219 de la constitution, c'est clair. Ce que nous avons soutenir la révision de la constitution, nous avons support. Nous vous attendons pour que vous puissiez nous répondre à la question. Parce que ici, sur le décryptage, tu réfléchis ça avec des questions. On se pose des questions juste. Vous devez nous répondre clair que nous tous les négociateurs revoient la constitution, c'est parce qu'il y a eu ceci, c'est parce que pour tout ça la bilanga, par exemple, quand c'est Sabanzala, ils ont pas cassé Ikuna, oh yo Meka, babé on connaît Meka, ils commis 25 000 francs, 15 000 francs, ils allaient exacter projet à développement, il y a 145 territoires, ils sont à côté, mais c'est la constitution aussi. Est-ce que ce projet-là est prévu dans la constitution? Est-ce que c'est la constitution qui bloque? Pourquoi parler de blocage alors que Bino Bosa clair? Par exemple, on a vu le gouvernement qui sortait. Donc, tant confondre le gouvernement, le coup là, tout le monde a un égal, Sama 1, Sama 2, ils ont fait Sama 3, Sama 3, les autres ont Sumino 1, peut-être Sumino 2, Calamité Zobima. Donc, le gouvernement se ressemble toujours. Toujours des promesses, toujours les projets, toujours les lancements des travaux, toujours les lancements, la pose des premières pierres, et ça va bongo. Population Botie Wapi, Toyebite. Mais pour le moment, nous disons, nous sommes clairs que pour le moment, parler de la révision de la constitution, je vais citer par là, ce n'est pas le moment opportun de parler de la révision de la constitution. Ce n'est pas vraiment, en tout cas, sincèrement, ce n'est pas le moment opportun pour parler de la révision de la constitution en Bokarabiso. Parce que Augustin Kabuya Lobby, actuelle constitution. Et ça, il dit ceci. Réviser la constitution n'est pas quelque chose de mauvaise. on ne refuse pas qu'il y a quelques articles qui peuvent être retouchés. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de revoir la constitution. Alors, la constitution, c'est à la base, il y a blocage dans le cadre de Sambo-Kanabiso. Bon. Le peuple congolais est en train d'observer et le bozo sala. Pour voter qui bino pour qu'il change la constitution, la population congolaise il faut qui bino pour bosser sans salaire. Où est-ce qu'il bon? Amélioration des conditions sociaux de base, la vie sociale, le social de la population. Le peuple d'abord, le peuple d'abord. C'est le slogan de l'IDPS, les peuples d'abord, depuis vieux Titi, les peuples d'abord. Mais nous, les peuples d'abord, tu évites comment les ventres d'abord tu évites. Mais nous espérons qu'un jour, tout le monde a les peuples d'abord et se réaliser. Ce que nous attendons, c'est la réalisation des projets, l'accomplissement. Il y a un projet au balancé qui avec pompe, naba fanfare. Chile Gelo, Kinshasa, zéro trou. Les lobes, c'est la même chose que Kinshasa, zéro trou, et ça wapi. Toutes les routes, il y a vu le province de Kinshasa, et ça, c'est comme ça. Ce que Kinshasa, zéro trou, wana, et ça wapi. Il y a une question, tout ce mitouna, pour le moment. Est-ce que c'est le moment de réviser la constitution? On se demande, tout ce mitouna vraiment. Est-ce que Zatan y a qu'on a touché constitution si koyo? Bon répondre à Bisso, parce que awa na carte de décryptage, nous sommes en train de réfléchir avec vous ensemble. Vous devez nous dire que c'est bien. Ton bon était que revoir la constitution, retoucher constitution, ça m'a bien. Mais le moment où ils ont voté, petit Bisso, tout raisonner fufu na Bisso, tout raisonner ta tout tika tout vendre ta banzalane, tout mesana na banzalane na Bisso qui bon, quoi, mourir population de sous-sous. Parce que quand c'est un mot créé, référendum, vous allez vous la boire. Bon, voilà, et ça m'a pas.
Le troisième sujet, dans le cadre de décryptage, les patrons de la chaîne de télévision, Bosolo Télévision, et les présentateurs de l'émission Bosolo na Politique, notre confrère journaliste Israël Mutombo, a invité le lot na parquet général près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Na kati ya invitation tomoni batie motif te na parquet. Donc bango ba kaka les motifs vous seront informés, vous sera communiqué sur place. Mais en tant que les journalistes de biso ba journalistes sont solidaires. Tout ça représente solidaire, ba journalistes ils ba linga ka balinga na ka. Tout ça la solidarité. Ça c'est selon les codes de déontologie des journalistes de la RDC. Journaliste à la cas solidaire. Article 13, article 14, il y a code d'éthique des journalistes, code de théologie, de déontologie journaliste des journalistes congolais. Article 14. Tout ça solidaire, là, yo, courage. Éviter banani bazar autorisé à Kokanga par tout le cas zela na service à transport bah policier PC tout ce monde c'est presque unité nyoso genre tout le monde na ba pepe parce que quand on a bango par ton moto donc nyoso on a des désordres dans ma case na katia secteur na domaine de transport tout c'est pour qui tant bon nomma qui igwe na katia ya domaine ouais na ministère national ya transport qui ordre les cocotes et pourtant secteur de transport et ça secteur désordre les amakas. Il y a un moment où il va tomber tout le monde dit non, trop c'est trop. Et l'équipe ming, bah ça n'a pas mon grève, bah le tout là là tout quoi faire là, bah ça beaucoup bah ça bon bah tracasserie makas. Nous sommes les amis ni parce que ordre et ça t'es dans secteur y a transport. Tous ces cinq n'a pas conscience beaucoup. Bah mais quand on zoome ça ordre dans le secteur ou dans le transport surtout dans la province à Kinshasa, dans ma province Mususu et cause à la banane. Pour la construction qui ça décryptage à mon collègue tu sais qui vient que Léon Lemba oh tu es bien à combo ya Papa Molière. Tout le monde a sali la vidéo samedi à l'objet à Tikimbo, le pays des marabouts. À l'objet à Bumina Yakei. À ce c'est là, à ce qu'il y a un avion. Et dans moi, c'est là, c'est là, l'objet de Tikimbo, le marabout, le petit à l'objet de Kei. Tout évité à qui est en exil. Mais bah, toi, zo là-bas, à qui mi poids, il m'a qu'il y a un bon, il 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 y a et ça pour dire moi non parce que mon content aussi il m'a le dit mboka ba marabou et tikali ngana kei. Nous nous rappelons que Papa Molière c'est là qui est ancien député c'est qui membre de la FDC parti à Bati Kwebo et puis toi bien dingue c'est là qui l'assemblée mais le lot na quatre élections naie na moi naie na famille naie parce que toi bien sinon l'emballé ba il était à l'assemblée provinciale. Tomonaki moi ndé mususu madame Lisa Zalaki pe na nini na gouvernement provincial elle était aussi députée ne bango nyoso na papa na bana bakatana ki na élection en décembre 2023 mais tomoni du coup a Zalaki vidéo a Zalaki wana et puis dès tomoni samedi a publié ba image que admis à Tikimboka ba marabou mboka ngwa ba marabou ndé mboka na biso Congo pour peut-être za na ba preuve na ye. Mais si tu as mis la question, la carte de décryptage, à quel exil est-ce qu'à Kozonga, à quel Kopema, il y a mon quoi yébi. Un salibité qui m'a cassé la carte de la province de Kinshasa, Banzela Nyonsu et Zamabe, Daniel Bumba Lubaki, gouverneur, les premiers citoyens de la ville, Bongisela, Banakin, Banzela, Bokire Bakanivo, Bobongisa Banzela, Mboulisse Zongi déjà. Toboy to roi ba to ba ku fana inondation to se pela kini to mona ki obi misa iba bil dozer ezo kire ba mai ba fle ba rivière mais tant to moni ba misi ba salité ba iko sunolango des amabe to zo le kanaba zele bele na neti na poalo tala ba kanifo nyos na poalo na boulevard Lumumba ba kanifo nyos na boulevard du 30 juin ba kanifo isa inondé isa pensa boucher
c'est le moment ya kokire ba kanivo wana bo misalité bo kenro bo ka po so yimbu le beti ma ele kabien banzela ni so tala avenir kabinda tala kabambar tala ba avenir bele bokasa ba avenir ni so ya ville pour mesa kintiasa eza banzela ni so eza ko beba eza ko kufa kin la belle eza so na zela malamte oyisa ka kana kadina le loto éviter so ki gombe ngo le lo gombe na gombe na ki mutazolo ba bas filmer ça été na gombe nagombe oyo tebi kini bope tongo kenda wapi kini zero tru kini tasa zero tru ba projet ne soit na e kenda wapi le gouverneur Daniel Bumba tomo na ete ba kina ba lobi tozo mo nesika zate tozo lukaye to lukaye na toche to lukaye tomo na te korana mai snel la regie des eaux bobo ki selaba na kini korana mai la carte de cryptage am colonel to sikeliawa botika la malamu to kutani balasima pona numéro ya sika ya décryptage na Agoplus télévision. Agoplus, l'agence de grandes opportunités.